Hello, coucou tout le monde. Donc, je voulais faire aujourd'hui quelque chose ici sur la page qui va te donner envie ou t'inspirer de rejoindre la petite communauté de porteuses de projets que nous sommes occupés depuis la semaine dernière dans le challenge My Magic Business. Et aujourd'hui, il y a lieu la toute première rencontre virtuelle des Business Women Magiques. Et ce que je voudrais te montrer, c'est que pour quelle raison aurais-tu de rejoindre ce challenge et qu'est-ce que tu reçois dans ce challenge, comment on travaille et comment ça se déroule? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont contactée et qui m'ont dit: oui, Gudrun, j'ai qu'une idée ou j'ai même pas encore d'idée. Comment est-ce que ça pourrait m'aider? Je suis même pas encore businesswoman. Ou bien, oui, je suis une businesswoman, mais je suis trop timide pour un groupe Facebook, etc. Écoute, ce qui me tient à cœur à moi, c'est que chaque personne qui rejoint ce challenge puisse travailler sur son projet et le faire avancer. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de te connaître personnellement pour le faire. Ça sert à rien pour moi d'avoir un groupe gigantesque, mais aucune relation personnelle. Pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça, je le sens comme ça. Les personnes qui sont dans mes groupes depuis longtemps partagent une partie de leur vie et au début, parfois, elles sont trop timides pour le faire, mais après un certain temps, ça fonctionne. Et donc, je me suis vraiment rendu compte ce qui compte là-dedans, c'est une relation personnelle. Et c'est pour ça que j'ai rajouté on va dire un bonus, j'ai rajouté quelque chose à ce challenge qui fait toute la différence. Et je voudrais donc partager ici mon écran et je te montre ce qui t'attend. Si tu participes, tu peux parfaitement nous rejoindre dès maintenant. Il n'y a pas, t'as rien raté parce que tu vas recevoir toutes les informations comme sur un buffet et tu te sers de ce dont tu as besoin. Mais le bonus, le truc que j'ai rajouté, ça fait toute la différence et je voudrais vraiment te le présenter ici. Donc, je vais partager mon écran. Écran numéro 1. Voilà. Là, on voit, c'est mon écran qui est à gauche. Quand tu vas cliquer sur le lien que je vais mettre dans cette vidéo, dès qu'elle est finie, tu vas tomber sur cette page. Pourquoi je fais une page? Il est important de travailler avec des femmes ou d'offrir, parce que tout ça c'est gratuit, d'offrir mon énergie et mon temps et mon savoir et mon expérience à des femmes qui veulent s'engager, à des femmes qui veulent vraiment changer, sincèrement, sincèrement changer quelque chose dans leur vie. Donc des femmes qui ont cette intention et qui font de leur mieux pour faire de l'espace dans leur vie, pour donner à ce projet de cœur du temps, tout comme moi je fais ici pour toi. Donc c'est une sorte de tri, si tu veux, parce que je ne veux pas des gens qui cherchent à consommer comme ça juste des trucs gratuits sans s'impliquer eux-mêmes. Et ça, je sais que ça va nulle part. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je te montre, tu atterris quand tu cliques sur ce lien. Tu vas donc trouver ici cette page, Challenge gratuit, My Magic Business, Action. Visibilité, sororité. Le secret dans tout ça, c'est cette solidarité, cette sororité, ce groupe magique que nous avons. Je ne suis pas seule avec toi, tu as toutes ces femmes qui sont là dans un espace de bienveillance. Et donc, qu'est-ce qui se passe si tu procrastines, tu es perfectionniste, si tu manques de confiance en toi, si tu n'arrives pas à t'organiser, à prendre du temps pour ton business? C'est un grand, grand, grand problème pour beaucoup de femmes. Elles sont débordées, mais elles ne font pas d'espace pour leur projet de cœur. Elles se laissent déborder et ça, tu apprends. Et si j'ai dû l'apprendre moi, et tu vas l'apprendre aussi. Côté technique, les réseaux sociaux, tout ça, oui. On apprend ça aussi et on travaille sur la visibilité. Si elle t'effraie, c'est un bon endroit pour faire tes premiers pas. Qu'est-ce que tu reçois dans ce challenge? Donc, qu'est-ce qui se passe? On va apprendre tout ce qu'il faut côté technique. On va apprendre aussi les stratégies. Donc, c'est plutôt leadership et businesswoman. Parce que une fois que tu prends ta vie en main, une fois que tu prends ton projet à cœur, tu deviens, que tu le veuilles ou non, et sois consciente de ça, une businesswoman. Le mot business te plaît pas parce que tu crois que c'est pour devenir riche, tu remplaces ça par autre chose, mais en fait, tu deviens une entrepreneuse et une entrepreneuse prend soin de son bébé, elle va prendre soin de ses finances, elle va prendre soin de la visibilité, elle va prendre soin de ce que ce bébé qui est ton projet soit en bonne santé et toi aussi par la même occasion. Donc, ça, c'est important et on apprend des techniques pour avoir plus de confiance en soi. Donc, tout ce que moi, j'ai
Bah, la confiance en soi, j'avais, hein, mais plein de choses d'autres qu'on doit apprendre, comment on coupe les liens nocifs, comment on garde son enthousiasme, son énergie et comment on fait. Pour moi, ça se passe toujours par le corps, ça passe beaucoup par la danse, mais il y a vraiment des mouvements magiques, il y a vraiment des gestes magiques, des méditations guidées, des choses comme ça que je vais partager avec toi. Tu as ici un peu de quelques témoignages. Tu vas recevoir donc. Tu vas recevoir plus ou moins chaque jour une vidéo. Tu vas recevoir des résumés par email une à deux fois par semaine. Donc, si tu n'es pas dans le groupe Facebook, tu peux suivre le challenge rien qu'avec les emails et regarder ce qui te convient. Tu reçois l'accès dans le groupe Facebook à cette sororité, ce qui est un énorme plus. Je te le recommande vivement. Tu trouves pas ça ailleurs, de cette manière-là, mais vraiment pas, parce que les femmes qui sont là-dedans ont pour beaucoup déjà travaillé sur leur féminin sacré. Donc, c'est une communauté qui est vraiment différente. Il y a une ou deux, donc la première réunion virtuelle a lieu aujourd'hui à 17h, donc rejoins-nous, sinon il va y en avoir une deuxième. Tous les contenus sont rassemblés une fois par semaine sur une page Facebook, une page Internet que je vais te montrer aussi comment c'est structuré et ce que tu trouves là-dedans. Donc, si le groupe Facebook, encore une fois, si le groupe Facebook, ça te dépasse ou je sais pas quoi, tu peux trouver ça là, tu y as accès pendant le challenge, ça je précise. Alors, nous travaillons évidemment ensemble en même temps que Sigrun. Et Sigrun, pour le moment, elle prépare et nous prépare dans son groupe international pour un cours qu'elle va donner dimanche et pour avoir donc une stratégie de 90 jours pour doubler ou plus tes revenus. Et donc, ça, c'est magnifique. Elle est ma business coach et donc j'ai créé ce groupe ici pour accompagner ce qu'elle fait dans une sororité francophone. Donc, parce que tout ce que Sigrun fait, c'est en anglais. Et parfois, pour certaines, c'est high level et un peu trop. Donc, pour suivre Sigrun, ton anglais doit être à la hauteur de la comprendre. Donc, je t'invite à une fois cliquer là-dessus. Bon, alors, témoignage. Concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre les outils, nous allons travailler sur le mindset, les méditations guidées, travailler sur des mouvements pour mais vraiment sentir dans ton corps la dignité, la fierté d'être une femme. Sans ça, pour moi, un business tenu par une femme manque cruellement de l'essentiel. Et on a ces réunions virtuelles. Tu as deux fast action bonus quand tu arrives sur cette page. Chez moi, c'est expiré, je suis un peu longtemps sur cette page. Mais tu reçois, et c'est ça que je voulais montrer ici, la grande différence par rapport à certainement d'autres choses. Je prends soin de toi. Si tu t'inscris, tu reçois de ma part ici un lien pour prendre rendez-vous avec moi. J'ai libéré toute ma semaine, à part les rendez-vous qui existent déjà. C'est un rendez-vous de 30 minutes. Dans ce rendez-vous de 30 minutes, on se rencontre virtuellement. Tu me dis ce que tu viens faire ou ce qui t'attire dans ce challenge. Et moi, je te dis, voilà, le challenge, toi, tu te trouves là dans le challenge, tu consommes idéalement ça et ça et ça. Je te montre ton chemin. Et en plus, j'ai un don pour. Attends, j'aime bien que vous me voyez quand je parle. J'ai un don pour trouver le potentiel chez le voir, visionner, moi, le potentiel chez des gens. Donc, tu serais totalement étonné ce qui est possible dans 30 minutes et c'est mon temps que je t'offre gratuitement. Donc, profites-en parce que ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Ici, c'est vraiment pour le mois de septembre que j'ai consacré à cela. Donc, avec ça, non seulement tu as ma vision sur ton potentiel, c'est bien de voir ça de l'extérieur, tu vois. Moi, j'ai ce don et ça va vraiment, ça a aidé déjà beaucoup de femmes, ça va t'aider. Et non seulement ça, on va faire ça, mais en plus, suite à ça, je vais te dire, écoute, dans ce challenge, il y a tous ces contenus, c'est gigantesque. Toi, tu regardes d'abord ça, après ça, après ça, après ça, je te fais ton plan pour que tu ne sois pas débordé par ce challenge, mais pour que tu saches exactement ton chemin. Et donc après, c'est à toi de te mettre en route, évidemment. Ce que je t'offre aussi, je repartage mon écran. Voilà, oups, partager. Ce que je t'offre aussi, et ça tu reçois de toute façon, enfin, c'est trois capsules de vidéos pour plus d'enthousiasme dans ton business et dans ta vie. Ce sont trois techniques, comment couper les liens nocifs, comment se protéger et comment avoir cet enthousiasme. Ce sont des petites capsules
pas longue du tout, que tu peux consommer comme tu veux. Voilà, alors si tu t'inscris ici, tu vas recevoir donc tout de suite accès à ces deux Fast Action Bonus. Et ici, je présente un peu Sigrun et moi-même. Sigrun est pour moi vraiment comme une amie. Elle m'a changé, elle m'a aidé à changer ma vie. Et tout ce que tu vois ici, ce que je fais, c'est tout elle qui m'a appris. Je voudrais te montrer donc le rendez-vous, comment ça se présente. Tu vas arriver sur une page ici et là, tu peux cliquer sur un rendez-vous qui est libre et à ce moment-là, prendre ce rendez-vous et ça se passe comme ça. Nous avons donc la page que je fais, que je veux te montrer aussi, My Magic Business, la semaine numéro 1, donc c'est la semaine qui est passée. Tu reçois tous les cours qu'il y a eu. Celles de Sigrun sont sous forme de lien parce que ce n'est pas mon contenu, évidemment, c'est à elle. Donc, tout ce qu'elle fait, ici, tu as un lien pour pouvoir t'inscrire chez elle. Et ici, ce sont les vidéos que j'ai fait, les tutoriels que j'ai fait, faut-il faire un choix quand on est multipassionné, surmonter les difficultés du début, comment structurer un groupe Facebook. En fait, cette vidéo-là te montre comment te retrouver dans le groupe Facebook, mais même si tu veux toi-même donner un cours, comment il faut structurer pour que les gens trouvent leur truc. Et je dois rajouter en fait ici encore 2-3 trucs qu'on a vu la semaine dernière. Donc, tu vois que c'est très riche. Maintenant, nous avons le groupe ici, Porteuse de Projet. Et dans ce groupe Porteuse de Projet, quand tu arrives là-dedans, tu as une annonce où j'explique comment il fonctionne. Tu as ici Follow Your Dreams, un poste où tout le monde peut mettre en dessous. Tu vois, il y a 60 commentaires de toutes ces femmes. Ils mettent leurs projets, ils mettent les liens. Tu as le lien de mettre le lien vers ton site web ou ta page Facebook. Donc, c'est vraiment un grand partage, une grande communauté où nous avons le bonheur d'avoir des projets, mais des magnifiques projets. Et il y a des amitiés qui s'écrivent là-dedans parce qu'il y a des gens qui ont des business un peu similaires et qui peuvent vraiment bien se soutenir. Donc, c'est magnifique ça. Ici, on va voir quels sont les problèmes, quel est le stade où tu es. Et en fait, ce qui est bien, comme je dis, ça doit être structuré. Quand tu cherches quelque chose, tu trouves ça ici. Tu as mes outils de bienvenue. Tu cliques là. Puis après, tu as le binôme. Tout ce qui concerne le binôme, donc travailler à deux, c'est très, très puissant comme outil. Ça crée des amitiés pour la vie. C'est magique. Et la première semaine, tu as tous les posts, tout ce qui s'est passé. Donc, en réalité, quand tu arrives dans le groupe, tu pourrais très bien scroller sur les décisions. Discussion, je ne vais pas le faire ici, parce que c'est évidemment confidentiel, mais tu pourrais scroller sur le mur de ce groupe et t'y perdre. Mais en réalité, si tu veux aller vite, tu as tous mes contenus, c'est super structuré. Et moi, je t'aide à non seulement voir ton potentiel, mais je t'aide à savoir exactement le chemin, quoi parcourir dans ce groupe. Et en plus de ça, tu peux avoir un binôme, c'est une amie pour la vie, et tu peux faire partie de notre rencontre, tous ensemble, rencontre virtuelle. Donc, je t'invite à réfléchir où tu te trouves, toi, actuellement, dans ta vie, dans tes projets. Et je peux te dire d'expérience, quand j'ai travaillé longtemps maintenant avec des femmes, et au début, je ne travaillais pas du tout sur leur projet. Je travaillais sur la connexion au féminin sacré. Je travaillais sur la confiance en soi, sur le fait de se sentir pleinement femme, rayonnante, libre, légère. Et quand tu fais ça avec une femme, toutes les femmes avec qui j'ai fait ça, qui ont vraiment pris ça à cœur, ça sont devenues des porteuses de projets parce que nous avons ça au fond de nous, cette envie de changer le monde dans lequel nous vivons et cette passion. Et quand on enflamme ça, quand on allume ce feu à l'intérieur, tout le monde devient cette porteuse de projets. Donc, je suis persuadée que tu en es une et que ce challenge que je donne ici vraiment de bon cœur pour pourquoi? Parce que moi, j'ai parcouru ce chemin. Moi, j'avais mon rêve et je ne me suis pas permise de le vivre. Quand, en 1996, donc 96 pour les Belges, j'avais l'occasion de quitter mon travail et de réaliser, de vivre de ce rêve que j'avais. J'étais danseuse de danse orientale. J'avais un succès de dingue. On me demandait de partout. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon mari, à l'époque, j'ai dit, écoute, je voudrais tout lâcher et me consacrer à corps et âme, à cette passion que j'ai. En plus, j'ai tellement de succès. Et il m'a dit, écoute, j'avais deux petits enfants à ce moment-là. Ils avaient 4 ans et 96, donc 4 ans et 2 ans.
Et il m'a dit, écoute, si c'est comme ça, ben on va divorcer. Je ne veux pas vivre avec une artiste et je ne veux pas ce genre de vie. Et bien sûr, je n'ai pas divorcé à ce moment-là. Et ça, c'était combien d'années de 20 ans. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, bon, ben, je me suis mis en route. J'ai vraiment lâché mon travail seulement l'année dernière. Et je peux te dire que ce genre de choses, ça a un lot de souffrance. J'ai dû passer par un divorce. J'ai dû passer par un burn-out. Je me suis menée dans un sort de fossé déjà deux fois minimum dans ma vie. Et c'est extrêmement douloureux. Et pourquoi je fais tout ça ici, c'est pour, si je peux l'éviter à des femmes, si je peux leur montrer un chemin, de se faire l'espace pour leur passion avant de se cracher comme ça. Je sais que souvent, le point de départ de compte vraiment, on écoute son cœur, c'est quand on a vraiment mal et quand on va vraiment mal et quand on a les pieds au mur. Et c'est pas drôle, c'est pas du tout drôle. Et si je peux éviter ça, si je peux allumer cette étincelle à l'intérieur de toi, si je peux te donner l'espoir que tu peux faire quelque chose dès maintenant, alors vraiment, c'est ce que je veux faire. J'ai consacré maintenant déjà 4 ans de ma vie à faire ça. Au début, ce n'était pas si clair. Au début, je me suis dit, je vais simplement aider les femmes à se connecter à ce féminin sacré. Mais là, je me suis rendu compte la puissance, le potentiel que nous avons. Et c'est pour cette raison-là que je fais ce challenge. Et ensemble avec ma business coach Sigrun, qui est sur le même chemin, mais à des milliers de kilomètres à l'avance. Elle est pour moi mon modèle, quelqu'un qui est arrivé tellement loin avec une générosité, un cœur au bon endroit et qui ne laisse jamais tomber quelqu'un. Et j'avais besoin de quelqu'un comme ça pour y croire. J'étais sur le point de tout lâcher, d'abandonner tout. Et ça, je ne veux pas que ça t'arrive. Non seulement je m'étais crachée deux fois, mais quand j'avais dit ok, je vais prendre ça à cœur, je vais donner, faire un espace et donner mon énergie à ma passion et de vivre, de me préparer à vivre de ça. C'était très, très dur, très dur. Parce que je ne savais pas comment faire. Tu n'inventes pas ça comme ça. Je ne savais pas comment faire. Et ça faisait peur. Ça fait peur à beaucoup de gens. Et donc, quand je suis arrivée chez Sigrun, c'était le moment où j'allais abandonner même ça. Et je ne pense pas que j'ai une petite idée, même pas la moindre idée, où ça m'aurait amené d'abandonner finalement et définitivement ce rêve. Et si tu as un rêve comme ça dans ta vie, et que si tu te dis, j'y arriverai pas, je ne peux pas, qui suis-je ? Ce syndrome d'imposteur ou tout ce qu'on peut avoir, toutes les difficultés sur ton chemin, si je peux t'aider un tout petit peu à juste donner un espoir et à te montrer ton potentiel, je suis là et je suis là et je veux que tu en profites. Je ne peux pas faire ça à longueur de journée puisque je dois aussi manger, payer mon loyer, toutes ces choses. Donc, je ne veux pas donner mon temps gratuitement comme ça. Mais ici, vraiment, je le fais de bon cœur parce que le mois de septembre, Sigrun le fait avec toi actuellement, moi aussi. Et donc, je t'invite à en profiter sans engagement. Juste prends ce que tu peux prendre. Je sais qu'il y a des gens comme ça sur mon chemin qui ont fait ça pour moi et ça a fait des miracles et je suis éternellement reconnaissante. C'est ma manière de donner les choses en retour. Donc, profite-en et rejoins-nous. Je vais mettre ici le lien. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.